donc Joris Bellbaum notamment bien placé, Florian Richard dans les 5 premières positions, ah non, bon, Maxime Leandro également qui est bien parti, Joris Bellbaum donc qui porte le maillot de ce type de cyclocross, ce type de Bellbaum, et celui qui a fait. Alors Antoine, à fond là! Tout en relance en démonstration, il n'a pas forcé sur ce premier parti de circuit et il avait du bien physiquement. Le haut du corps est là avec le travail notamment donc, au niveau des bras pour accompagner cette descente alors que derrière c'est un petit peu plus compliqué dans le peloton, ça frotte à tous les niveaux, les joueurs du bien également donc, qui nous intéressent dans cette épreuve. Ils sont 56 actuellement sur le circuit et regardez qui a pris le meilleur, c'est Delbov, donc le coureur qui porte le maillot du team Podiocom, donc avec Bruno Herfey également sur cette même formation du team Podiocom. Ils vont essayer de porter dès le départ Florian Richard à faire une faute, peut-être du côté des planches. Maximilien lui a décidé de passer à pied pour ne pas prendre de risque. C'est vrai qu'on l'a mis en plus de planches, notamment passer à pied. Et sur la partie de qui ne prend pas le risque de passer à vélo, alors que les trois coureurs de tête eux ont fait la différence sur cette première partie de circuit avec un départ très rapide du team Podiocom. Mais ça, on s'y attendait. Et derrière, la question, c'est de savoir si le quatrième homme dans cette épreuve, c'est dans le moment, et bien Maximilien Andréo, il peut s'accrocher aux trois coureurs de tête sur un temps. Allez Antoine, plein gaz, lâche les freins. Voilà, Florian Richard qui a été notamment
Ouais. Ouais. Hop, 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 hop. Ah oui, tu te rappelles, maman, où il y avait le gros bout de bois, c'est là. Oui. Bon. Ça arrive beaucoup, là. C'est bien, c'est dur pour tout le monde.
Regardez malchanceux, que s'est-il passé pour Florian Richard? Est-ce que c'est un problème de matériel? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui donc de malchance? On n'espère pas. En tout cas, Florian, dernier tour pourtant. Les premières, deuxième et troisième catégorie, Maximilien, dernier tour encore et un top 6 actuellement. Je vais pas taper dans la course. Ah, ça tire un peu du côté du dos de Jules dans cette faux plat, dans ce dévers, forcément, peut-être dans le bas du dos et les coureurs donc, qui évoluent dans leur dernier tour, les écarts qui sont assez importants derrière la sixième place. Donc Maximilien Andréau qui continue bien son parcours dans ce dernier tour de course, voilà un petit peu pour les six premières positions ici dans cette épreuve de la catégorie, donc les premières, deuxième et troisième catégorie. Madame Blanchard, donc place aux jeunes. Place aux jeunes. Dans 15 jours, je suis à la retraite. Je vais parler maintenant. Et je suis des jeunes maintenant. C'est ce jeune homme qui va faire ma retraite. Hein, on va laisser parler. Hein. Un très beau vainqueur, un grand spécialiste du cyclocross qu'on va accueillir comme il se doit. Nous souhaitons aussi un bon vent pour la saison fin à venir qui a commencé. Voilà, joyeux Alpes. Voilà, pour Romain, voilà qui termine second. Voilà, toujours pour l'équipe du Congrès en anglais. Voilà qui, pour l'instant, reste sur cette deuxième marche. C'est l'homme. Là, ce bronzion, il retourne, c'est fait. Merci à toi. Voilà, pour la présence, on va continuer un petit peu à ce décor qui arrive. Et c'est la route, le cyclocross. Le VTT, c'est aussi une des grandes spécialités. Mais on l'appelait comme il se voit, Florian Richard. Voilà, merci derrière. Un jeune, voilà ton truc qui promet. Yes! Voilà pour lui, c'est le transport. Là, qui va les arrière. Encore un tour. Non, non, non. Bon, tu peux faire des tours, si tu veux. Pourquoi? Il faut que j'aille établir le classement. Voilà, on attend.